Je gère une petite équipe de projet et c'est vrai que je suis beaucoup moins bien équipé à la maison qu'au bureau. Donc c'est parfois difficile pour moi de manager efficacement mon équipe. Donc je dirais que je préfère travailler du bureau. Mon entreprise utilise les solutions Teams de Microsoft, ce qui permet de communiquer avec l'intégralité des collaborateurs de la société. Donc bon, Teams c'est très pratique, hein. On fait nos meetings en visioconférence, on a notre agenda qui nous permet d'avoir une vue de ce qui va nous arriver sur la journée, on peut chatter, s'envoyer des documents, etc., etc. Le problème, c'est que je n'ai pas de second écran. Voilà. J'ai pas vraiment la place de l'installer chez moi en fait. Je peux pas avoir une installation permanente qui ne va pas me gêner à un moment donné dans la journée. Donc je travaille sur mon ordinateur portable, sur un seul écran. Et quand j'ai un meeting sur Teams, je suis obligé de laisser ce que je suis en train de faire. Si je dois aller chercher une information dans un document, il faut que je switch entre les onglets. Donc c'est pas très pratique, c'est pas l'idéal. Voilà. Non, je connais pas. Pourquoi vous pensez que ça va résoudre mon problème? Alors. Ok. Ah oui. Alors. Ah oui, ok. Ah bah, l'idée du pied, c'est très pratique. On peut le mettre comme ça à la verticale ou bien à l'horizontale. Voilà. Ici, on a donc les haut-parleurs. Ici, on a la caméra. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord, ok, super. Donc ça, c'est un bouton qui permet de masquer la caméra, donc pour la protection de la vie privée, on ne sait jamais. Ici, on a donc les boutons pour régler le volume. On a la possibilité de mettre tout de suite en mute, donc ça, c'est très bien. On a aussi les micros. Ok, bon, tout est intégré en fait, hein, donc c'est très très bien. Bon, moi, pour les visios, j'ai vraiment pas besoin de plus que ça. Hein. C'est un objet qui est vraiment pas encombrant. J'ai assez envie de l'essayer. Bon, alors comme prévu, c'est vraiment pas volumineux. On me demande d'abord de choisir ma langue. Ok. Bon, donc c'est très stable, hein, quand on appuie dessus, ça bouge pas, c'est très bien. Alors, le réseau Wi-Fi. Donc, mon mot de passe. Voilà. Ok, alors on me demande de choisir un appareil Bluetooth. Ah oui, donc ça c'est très très pratique parce que si je veux connecter mon casque, je peux le faire, donc c'est très bien. Ok. Ok, donc on me demande de mettre mon compte Teams. Donc je rentre mes accès. Et ça y est, je me connecte à Teams. Bah, en fait, la prise en main, elle est quasiment instantanée. J'ai vraiment pas eu grand chose à faire. On m'a tout de suite demandé de mettre mon compte Teams. Ok, ouais, bah, tout y est. Hein. Ici, j'ai mon répertoire, j'ai mon agenda, j'ai mes conversations. Donc, ok, non, bah, tout est là. Tout est là et ça s'est fait très rapidement. J'active la caméra. Bonjour Cassandra. Salut Sébastien, tu vas bien? Très très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Bon, super. Dis, je suis avec le nouveau ThinkSmart View de Lenovo. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Je te vois très bien et je t'entends parfaitement aussi. Bon, eh ben, c'est absolument parfait. On devait se parler pour parler des chiffres de Q1? C'est ça. Tu me dis quand tu vois mon écran. Ok, je l'ai, très bien. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc juste pour retravailler une autre partie des chiffres. On va partir sur ce tableau si ça te va et je pourrais t'envoyer une actualisation pour la réunion de demain. Ouais, et ben c'est très bien, c'est super. Ok, t'envoie l'invitation et puis du coup on en reparle demain. Ça marche. Salut Cassandra. Ah bah ouais, je suis hyper convaincu. En fait, la prise en main elle est quasi instantanée. Moi j'ai vraiment eu pas grand chose à faire. Vous avez vu, en 2 minutes, j'étais en réunion avec une de mes collaboratrices. Elle a partagé des documents avec moi, on a échangé très très simplement, sans que ça change quoi que ce soit ce que j'étais en train de faire sur mon ordinateur. Donc c'est vraiment très très bien. Ça prend vraiment très peu de place, donc au niveau ergonomie, c'est vraiment super.
Non, c'est un très bon compagnon de télétravail.